Salut à tous, j'espère que cette nouvelle année commence bien pour vous et que vous allez tous très bien. Je sais que vous attendez l'épisode 100 de Sims 4 avec impatience, n'est-ce pas? Mais ça sera pas pour aujourd'hui malheureusement et j'en suis désolée. J'ai envie de faire un épisode scénarisé et pour ça j'ai écrit un petit scénario, mais il est plus long que les épisodes d'avant. Et je sais même pas si je vais réussir à tout faire, tout ce que j'ai écrit dedans. Parce que je veux des réactions super précises de certains Sims. Il faut que je crée des nouveaux Sims d'ailleurs et... Des fois, j'arrive pas toujours à avoir ces réactions-là. Je verrai bien, hein, j'adapte le scénario en fonction. J'ai de nouveaux endroits aussi à créer. Et donc, pour ça, j'ai besoin d'un petit peu de temps supplémentaire. Pour ceux qui suivent Fallout 4, j'ai posté des épisodes d'ailleurs, si ça peut vous aider à patienter. Sinon, je sais même pas si j'ai besoin de 2 ou 3 jours supplémentaires pour les Sims 4 ou toute la semaine, j'en sais rien. Mais je vous le dirai. Dès que je commencerai à envoyer la vidéo sur YouTube, j'enverrai un message sur Twitter et sur Facebook, sur les chroniques d'Anna, pour vous le dire. Arrivée imminente de l'épisode 100, préparez-vous. Pour le moment, j'ai donc mon petit scénario. Il faut que je tourne les images, il faut que j'écrive mon texte, que j'enregistre mon texte, que je le cale sur les images, et ensuite le montage sera terminé. Mon ordi calculera tout ça en HD et hop, j'enverrai tout sur YouTube. Pour l'épisode de 99, ça m'avait pris une dizaine d'heures à peu près. Je ne travaille pas très vite, je travaille à mon rythme, n'est-ce pas? J'aime bien prendre mon temps, j'aime bien que les choses soient bien faites, et pour l'épisode 100, je veux surtout pas me précipiter, je veux qu'il soit impeccable. Bon, en tout cas, j'en profite pour vous remercier de suivre mes aventures toutes les semaines. C'est pas toujours facile pour moi de sortir un épisode comme ça régulièrement, quand je cours à droite à gauche, quand j'ai des réunions de fin d'année à organiser, quand j'ai Next Stage aussi dont il faut que je m'occupe. Et c'est vous qui me motivez à faire ça. Et je vous en remercie. Profondément, sincèrement, du fond du cœur, de tout ce que vous voulez, je vous remercie. Et je vous dis à très vite pour l'épisode 100 du coup. Allez, ciao!